Salut camarades, on reprend la mini-série dans la série en continuant le siège d'Antioche. Je vous avais laissé la dernière fois en vous expliquant que grosso modo ça commençait à sentir la déroute chez les croisés, mais que grâce à l'ambition d'un seul, persistait encore l'espoir. Oui, on dirait un peu le synopsis du prochain Star Wars. Bref, reprenons. Un seul garde coûte que coûte le moral, ne perdant pas de vue son objectif et songeant à des stratégies pour y parvenir. C'est évidemment le rusé Bohémond. Alors lui, depuis le début, il veut profiter de la croisade pour se tailler une petite principauté sympatoche. D'ailleurs, dès le début, il a essayé de se rapprocher d'Alexis Ier à Constantinople pour ça, prétend serment gentiment, en espérant grappiller officiellement des terres. Mais Alexis se rappelant très bien que Bohémond et son daron avaient essayé 10 piges avant d'envahir son empire, le Normand a vite compris qu'il devrait trouver autre chose. Alors du coup, en voyant ce beau morceau qu'est Antioche à portée de main... Ça c'est pour moi. On a déjà vu qu'il espérait que la ville se rendrait à lui comme Nicée s'était remise à Alexis. Personne ne pourrait alors contester ses droits. Pour ça, faudrait être le premier parmi les croisés. Bon, ça encore, ça peut le faire. La troupe l'adore et les chefs le respectent. Le problème, c'est qu'il y a aussi le général byzantin Tatikios, qui les a guidés et approvisionnés depuis Nicée, et qui est aussi là pour vérifier que tout se passe conformément au serment prêté à Constantinople et à Nicée, le fameux « je vous file mon aide et vous me rendez ce qui appartient à l'Empire, sans essayer de me faire des petits coups fourrés ». Donc, si la ville doit se rendre, c'est à Tatikios, pas à Bohémond. Il faudrait donc, pour Bohémond, que Tatikios se taille. On pourrait alors faire croire que l'Empire, à travers le personnage de Tatikios, a abandonné la croisade, rompant ainsi le fameux serment, et que donc l'Empire n'a plus aucune légitimité à récupérer Antioche ou quelque autre ville. Les croisés pourraient alors choper mais ce qu'ils veulent. Et il se trouve que Tatikios, pourtant jusqu'ici si fidèle au poste, s'est bel et bien taillé. Moi, vous, non, c'est oh. Les historiens ne sont pas d'accord sur la raison exacte du départ, mais une chose est sûre, Bohémond l'a poussé à partir. Il est très probable que Bohémond lui ait sorti un truc du genre « Méfie-toi, mecton, hein, les autres ils veulent ta peau, ils pensent que l'empereur veut nous doubler en s'acoquinant avec les Turcs, donc conseil d'amis, tire-toi dardard !» Vu le climat de méfiance envers les Grecs depuis le début de la croisade, vu l'état de désespoir ambiant, comment ne pas croire qu'on cherche un bouc émissaire et que ça va lui tomber sur la gueule? Du coup, bah, il est parti, soit pour optimiser l'approvisionnement et chercher du renfort en bon héros byzantin, soit parce qu'il avait en effet les miquettes, en bonne pintade. Ennemi ou pas ennemi, je refuse d'être menacé. Imaginez que ça s'envenime et qu'on en vienne aux mains. Bohémond a donc les mains libres pour la suite de son plan. Oui, parce qu'il y a une suite. Bon, en même temps, quand tu moisis sous la flotte, face à un mur, depuis des mois, t'as le temps de cogiter. Il sait que les autres chefs, et surtout Saint-Gilles, ne vont pas lui laisser l'intégralité de la ville sans réagir. Après tout, il participe autant que lui. Donc, il doit se montrer indispensable. Et c'est vrai qu'il l'est. Commandant et stratège hors pair, il a plus d'une fois sauvé la croisade, il va continuer à le faire. Il va donc tenter une sorte de semi-chantage, hein, il va menacer de se barrer. Alors, ça va être un semi-flop, parce que bah, si les chefs semblent s'en battre les noix, la troupe, elle, chez qui il est très populaire, va le supplier de rester. Donc bon, c'est pas encore ça, mais c'est un bon début. Et de toute façon, il va tout de suite se passer un truc qui va encore plus renforcer son prestige. En février 1098, Ridwan, Malik d'Alep, réconcilié avec Yagi Siyan, le gouverneur d'Antioche, se dirige vers celle-ci, accompagné de Sokman l'Ortokide, de Jérusalem, et l'émir Dama, ce qui fait une armée considérable. Ils reprennent la forteresse d'Arim aux croisés, et ceux-ci, manquant de canassons et ne pouvant donc aligner que 700 chevaliers, partent quand même à leur rencontre, sous la conduite de Bohémond, qui va encore prouver qu'il est un brillant chef de guerre, en s'adaptant à la technique de combat de son adversaire. Il va attirer celui-ci sur un terrain où il ne pourra pas pratiquer son habituelle technique encerclante. Les croisés lanceront alors une charge dévastatrice qui forcera Ridwan et ses alliés à battre en retraite, abandonnant même la forteresse d'Arim que les croisés reprennent. Ce sera une victoire franque. Ou devrais-je dire un franc succès ? En tout cas, Bohémond, pour un mec qui voulait se rendre indispensable, c'est parfaitement réussi. D'autant plus que quand ils reviennent ensuite au camp, ils se rendent compte que Yagi Siyan a encore une fois tenté une sortie,
et que les poteaux restés au camp, bah une fois de plus, ils sont en train de manger sévère. Enfin, façon de parler quand tout le monde crève la dalle. Hein. Donc, l'arrivée propice de Bohémond et des 700 cavaliers va leur sauver la mise, ce qui lui vaudra mais encore plus de reconnaissance. Les Turcs, quant à eux, comprenant que Ridouane, bah, il s'est pris une branlée, bah, ils préfèrent battre en retraite. Et ils balisent. Parce que Doukak, il n'y a plus. Ridouane, il n'y a plus. Il reste plus que Kirboka. Et potentiellement encore. Donc ça va finir par être tendu. D'autant plus que le printemps va totalement changer la donne. Déjà parce que le climat se fait plus clément, mais surtout parce qu'une flotte anglaise guidée par Edgar Atheling débarque le 4 mars à Saint-Siméon avec du matos de siège, des ingénieurs byzantins, le tout prêté par Alexis Ier. Un détail que les croisés font semblant de ne pas avoir remarqué du tout, hein, évidemment. Donc les croisés s'empressent d'aller chercher tout ça, Bohémond et Raymond en tête, mais sur le retour, le 6 mars, le convoi est attaqué par les Turcs d'Antioche, et Bohémond ou pas Bohémond, les croisés en prennent plein la gueule. Alors, la panique envahit le camp à son tour, quand soudain, Godefroy, qu'on n'a pas vu depuis un bail, sort de sa tente et sauve la mise en remettant un peu d'ordre dans tout ce merdier. Si vous vous demandez ce qu'il glandouillait depuis le début, il récupérait des blessures infligées par un ours en Anatolie. Une longue histoire. Je pars pisser, pan. Un ours d'une toise et demie qui me tombe sur le rable. Les croisés contre-attaquent alors et massacrent les Turcs de retour vers la ville avec le convoi. 1500 d'entre eux meurent, dont 9 à 12 émirs. Et ce matos va tout changer. Avec, on va pas chercher à construire des machines de siège. Non, on va carrément chercher à construire des châteaux pour contrôler les dernières portes non surveillées. Il y a par exemple celui de la Mahomerie, fini le 19 mars et confié à Raymond de Saint-Gilles, face au pont fortifié, ou encore celui qui est terminé en avril et qui est confié à Tancrède, face à la porte Saint-Georges. Avec ça, on interdit à la ville d'être ravitaillée ou de faire des sorties. Par exemple, Tancrède va capturer d'un coup 2000 chevaux, ce qui permettra de rééquiper beaucoup de chevaliers. Et la situation commence donc à s'inverser. Les marchands, sous l'effet du blocus, préfèrent vendre leur ravitaillement aux croisés, qui commencent à récupérer, plutôt qu'à la ville, qui commence à connaître la famine. Mais avec ce coup d'éclat de Godefroy qui a rallié les croisés, avec ses châteaux confiés à Raymond de Saint-Gilles et à Tancrède, comment va faire Bohémond pour s'assurer la prise de la ville, sachant que les chefs non seulement lui tiennent tête, mais désormais lui volent la vedette? Quelle sera la prochaine étape de son plan? Et du côté des assiégeants, quel espoir reste-t-il? Kirboka viendra-t-il? Et si oui, suffisamment rapidement? Rendez-vous au prochain épisode. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager la vidéo, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. J'adore ça, donc n'hésitez pas une seule seconde. Comme d'habitude également, un immense merci aux tipeurs, vous êtes toujours les meilleurs, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est franchement vachement bien, c'est super chouette, c'est franchement super gentil à vous. Un immense merci. Si vous en avez l'envie et les moyens, vous pouvez aussi me faire un don sur le site Tipeee, mais franchement, évidemment, il n'y a rien d'obligatoire. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche à côté de s'abonner et tout ça, histoire de ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et sur ce, passez une bonne fin de journée, merci encore, et à bientôt.